4 œufs entiers, une banane, du lait d'amande et du muesli. Nous sommes le samedi 18 décembre, il est 8h30 en ce moment où je tourne cette vidéo. Et là, je m'apprête à prendre mon déjeuner parce qu'aujourd'hui, j'ai une grosse journée. J'ai un show qui se situe à 5 heures de chez moi. Donc, c'est pour ça que je me lève aussitôt. Donc, pour te résumer un petit peu la journée, donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que j'ai un show à la JCW à Jonquière. C'est la première fois que je lutte pour cette fédération-là et je serai dans un match 3 contre 3 mixte. Et je vais me diriger là-bas vers le lieu du show avec d'autres amis catcheurs, dont une catcheuse qui fera partie de mon équipe. Mais là, d'abord, dans un premier temps, je vais manger parce que j'ai faim et il faut que je mange le matin, sinon je vais ressembler à un zombie toute la journée. Et juste après ça, je vais préparer mon sac et je vais te montrer les aliments, donc la nourriture que j'ai prise et que je vais consommer tout au long de la journée. Ok, donc comme tu peux le voir, j'ai tout disposé sur la table. Donc on va d'abord commencer avec ça ici. Donc ça, c'est juste un wrap au jambon, enfin avec 3 viandes dedans. Juste ici aussi, c'est une espèce de pita avec 3 viandes dedans. Donc tu as du jambon, du fromage, je crois. Non, il n'y a pas de fromage, mais il y a 3 sortes de viandes dedans. Juste ici, on a le sandwich. Donc ça, faut que je fasse une parenthèse sur ça. Donc en fait, ça, c'est un sandwich fromage bacon. Et ça, c'est le sandwich par excellence du catcheur. Parce que dans le catch, on voyage quand même pas mal beaucoup. Et on s'arrête souvent sur la route. Et ça, je te jure que c'est vraiment l'ingrédient du catcheur. Parce que c'est bon, c'est rapide à manger et c'est pas trop mauvais, on va dire. Et juste à gauche, on a ici, ça c'est mon truc, ça c'est, j'adore ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui raffolent de ça. Donc c'est du beef jerky, c'est des lanières de beefsteak. Et donc avec ça, je vais prendre aussi quelques amandes. Donc je vais pas prendre toute la boîte, mais je vais mettre ça dans un petit récipient. Je vais prendre des amandes en collation. Et au niveau des boissons, on a de l'eau vitaminée à l'orange. C'est super bon ça. Et juste ici à côté, j'ai pris une boisson énergisante au goût citron. 180 mg de caféine, donc ça va bien me réveiller. Et ça, j'aime bien le prendre juste avant le combat pour vraiment être en forme et ne pas manquer d'énergie. Idéalement, il aurait fallu que je me prépare un tupperware avec du riz, du poulet ou des aliments plutôt clean. Mais hier soir, quand j'ai ouvert mon frigo, j'ai remarqué qu'il était complètement vide. Donc j'ai dû m'arrêter à la station-service juste à côté de chez moi pour prendre quelque chose pour me dépanner. Donc là, maintenant, il faut plus que je tarde de trop parce que je vais devoir finir de préparer mon sac et me diriger vers le lieu du rendez-vous. Là où j'ai rendez-vous avec les autres catcheurs. Et après, on va se diriger vers le lieu du show. Ok les gars, donc je viens d'arriver. Il fait vraiment froid là. Il doit faire moins 8. Ça caille pas mal, là il commence déjà à faire noir en plus. Mais bon là, ici je voulais prendre quelques secondes pour te montrer le décor derrière moi qui est vraiment super. Regarde-moi un petit peu ça derrière. Les petites montagnes du Québec, je trouve ça vraiment super beau. En plus ici c'est un endroit qui est pas mal isolé, un peu hors de la ville. Mais l'endroit où on va faire le show, c'est vraiment pas mal. C'est petit mais très convivial et je pense que ça va être un bon show. Donc là, le show, il va commencer dans 3h30 environ. Donc ça me laisse encore un peu le temps de me préparer. Là, je vais manger et après, je vais commencer tout doucement à me préparer pour mon match, essayer de m'échauffer. Je vais essayer de te filmer des passages aussi de mon échauffement si c'est possible. Parce que j'ai vu que, étant donné que c'est assez petit, c'est pas mal difficile pour filmer. Il y a aussi beaucoup de bruit à l'intérieur, donc je vais faire de mon mieux. Mais si pas, je vais te mettre des passages de mon match et on se retrouvera juste après pour un débrief. Come on.
les gars, le match est terminé. Comme vous avez pu le voir, on a été victorieux ce soir. Tout a été bien, je me sens plutôt bien et tout ça. J'ai pas de blessure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La foule a été bien appliquée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enlever ce maquillage que j'ai sur ma gueule. Et après, il va être temps pour moi de quitter les lieux et de rentrer chez moi parce que j'ai vraiment un long trajet. Donc je vais te tenir au courant pour la suite. On est le lendemain du show et là, je me sens plutôt bien. Et je suis en train de faire ma petite promenade que je fais à chaque fois tous les dimanches. Et surtout ici, en cette période de l'année, c'est l'hiver. Et j'aime beaucoup me promener quand il neige comme ça. Bon, il fait un petit peu froid, on se caille un petit peu le cul. Mais bon, ça fait du bien de respirer de l'air frais de temps en temps. Et donc là, du coup, le show que j'ai eu hier, c'était le dernier show de l'année 2021. Et du coup, là, je suis déjà en train d'établir mes objectifs pour 2022. Donc, en ce qui concerne le catch, ça va être de continuer à essayer de me développer un maximum dans le catch au Québec. Après, il y a un autre projet qui est en train de se mettre en place. Mais pour l'instant, je dois garder ça un petit peu secret parce que... c'est encore en phase de projet, mais ça risque de fortement se produire, ça risque fortement d'arriver début printemps 2022, donc je te donnerai des nouvelles à ce moment-là. Après, il faut aussi prendre en compte les mesures de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il y a des mesures qui vont certainement changer, donc j'espère que ça ne va pas trop influencer sur mes projets. Et après, j'aurai encore certainement d'autres projets qui vont se mettre en place. Mais bien évidemment, je te tiendrai au courant de mes projets, de l'évolution de mes projets. Et bien entendu, si tu veux être averti de mes prochains projets, mais aussi de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications. Et je trouve que c'est super important d'avoir des projets dans la vie parce que ça nous permet toujours d'avoir un but, d'être toujours focus sur quelque chose et forcément du coup d'évoluer dans la vie, dans notre discipline ou peu importe le projet que tu as envie de réaliser. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me laisser savoir dans l'espace des commentaires quels sont tes projets pour 2022. Moi ici, je vais continuer à finir ma promenade. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et partager. Mais surtout aussi à t'abonner parce que c'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !